Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont mignons, nos petits chats! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon! R-A-S! Eh oui, eh oui, eh oui! Eh oui, c'est parti! C'est parti, mon kiki! Hop là! C'est parti! Yo les petits potes, aujourd'hui on se retrouve comme un dimanche dans une vidéo découverte. Oui, vous avez l'habitude maintenant que souvent le dimanche, à 9h du matin, c'est une vidéo découverte. Et généralement, ça vous plaît. Et ça, ça me fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Bomberground Battle Royale. Ouais, c'est un nouveau Battle Royale. Et ça faisait longtemps. Ça faisait extrêmement longtemps qu'on n'a pas découvert de Battle Royale. Je pense que le dernier c'était Zoba, si je me trompe pas. Et donc là, bah, c'est un nouveau Battle Royale. C'est une toute nouvelle mécanique, c'est-à-dire que c'est pas une mécanique habituelle. Le jeu il est en plein développement. J'ai pu y avoir accès en version développeur. Donc c'était plutôt cool. Depuis là, bah écoutez, ça me fait extrêmement plaisir de le faire en vidéo pour vous, avec vous, et puis voilà quoi. Donc les potes, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, le petit commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Sinon, ok, donc nous voilà directement dans l'interface de Bomberground, et comme vous pouvez le constater, on va pas se le cacher, on dirait Brawl Star au tout début. Ouais, quand je dis tout début, c'était en gros quand t'avais pas la version verticale, horizontale, tu vois. Et on avait à peu près le même affichage de ce côté-là. Et le même affichage de ce côté-là. Enfin, pas réellement, mais voilà. Enfin, bref, on s'est compris. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, les potes, nous voilà directement dans l'interface de Bomberground. Et comme vous pouvez le constater, bah, y a pas grand-chose. Non, je déconne. Alors, on va commencer en haut à gauche. C'est le profil. Donc là, vous pouvez voir que je suis rang 10. Que j'ai fait 49 games. Une seule victoire. 27 kills. 48 dead, c'est-à-dire que je suis mort 48 fois. Ok. Total de time player, c'est-à-dire qu'en gros j'ai joué 0,73 heures. Ok. Ever time alive, je crois que ça c'est mon meilleur temps. C'est mon meilleur temps de vie, je suis pas sûr. Ma moyenne de vie, je suis pas sûr. Moi et l'anglais, comme je vous l'ai dit, ça fait 2, hein, ou voire 6. Power taken, je sais pas ce que ça veut dire. Bombe dropped, ça c'est le nombre de bombes qu'on pose. Je vais vous expliquer ça bien sûr en gameplay, qu'est-ce que c'est les bombes qu'on pose. Et average kill, je sais pas ce que ça veut dire. Ça c'est votre profil. Et donc après on va passer à la cosmétique, c'est-à-dire un peu là où vous allez pouvoir customiser votre personnage. Alors, il y a 3 caractères pour le moment. Je pense qu'il y en aura plus par la suite, mais pour le moment il y a Beer, Bunny, Quête. Moi j'aime bien jouer avec les 3, j'alterne. Vu que j'avais accès à la version bêta, forcément j'avais des skins, mais ça on y arrive juste après. Et malheureusement je les ai plus. J'étais tellement content de me dire ouais c'est bon, je vais avoir des skins pour la première vidéo et tout. Et ben non, c'est pas possible. Voilà, vous pouvez également changer la tête de votre personnage en le débloquant bien sûr dans les shops. Les outils, c'est ça, c'est-à-dire voilà, c'est un casque, un masque. Alors pour moi ça n'apporte rien au gameplay. C'est juste esthétique, mais c'est plutôt stylé, je te cache pas. Et ça, bah ça les armes, voilà, ça c'est pareil, c'est esthétiquement parlant en gameplay. Voilà, comme ça au moins chacun est personnalisable à sa façon. Donc voilà, de base vous avez la batte de baseball et puis après il y a différents trucs. Bon, pour l'instant il n'y a pas énormément de choses, mais croyez-moi, je suis sûr ils vont rajouter. Idem pour les bombes, il y a différentes bombes. Il y a celle du diable, il y a le gâteau, il y a la glace. Il y a la ruche, il y a le squelette. Enfin voilà, c'est une panoplie de petits accessoires disponibles pour le moment. Et il y a les emojis que vous pouvez afficher en game. Donc voilà, on va aller directement au Battle Pass derrière moi. Là, vous pouvez pas le voir, mais c'est derrière moi juste ici. Le Battle Pass, pour l'instant, il est encore en création. C'est-à-dire que bah, ils ont pas totalement fini, donc ils attendent de le finir correctement pour ensuite vous le proposer. Pour l'instant, c'est pas s'il sera gratuit ou payant. A priori, il m'a l'air d'être gratuit. Après, on verra parce qu'en tout, on voit unlike Battle Pass. Donc, je sais pas si ça veut dire débloquer le Battle Pass. Il faut payer pour l'avoir. En tout cas, c'est la saison 1. Et la saison 1 est déjà en train de tourner. Il reste encore 37 jours et 12 heures. C'est comment te dire que, franchement, là, il s'appuie. Hein. Non, je déconne. Friend, ça, c'est les amis. Bien sûr, vous pouvez ajouter vos potes. Vous pouvez m'ajouter moi. Pour m'ajouter, c'est tout simple, vous faites add friend, Bomberground ID, et mon ID c'est Psytrag Y majuscule TB.
Voilà, c'est tout simple, ajoutez-moi les potes, faites-vous plaisir. Le shop, voilà, on y arrive, ça y est, le shop. Bon, ils ont pas encore affiché le coût que ça donnait en euros. C'est le même partout. C'est pareil que dans les autres jeux, t'as du 1€, 5€, 10€, 50€, 100€, hein. T'as du classique. Et bien sûr, il n'y a pas encore un système de fonctionnement d'achat directement de skin. Vous êtes obligé d'ouvrir des caisses. Donc, soit vous ouvrez des caisses à 25 diamants, soit des caisses à 10 diamants ou 150 pièces. Et donc, nous, on va partir pour celle-là à 150 pièces. C'est parti, let's go. Mais t'arrêtes-toi. Allez, hop, let's go. Ok, une ruche. Allez. Bon, vous l'avez remarqué, il y a un petit bug d'affichage, c'est-à-dire que... Oh, un emoji. Voilà, j'ouvre une caisse en or, alors que normalement, ça devrait pas. Et c'est juste, mais vous inquiétez pas que le contenu, c'est bien un contenu de cette caisse. Hein. Là, pour ça, je me fais bien... Allez. Ok, nouveau style de bombe. Encore un emoji. Un casque. Ok. Enfin, j'ai un casque, je vais pouvoir m'équiper. Encore un emoji, bah c'est bien, du coup j'aurai toute la panoplie d'emoji. Hein. J'ai plus assez de coins. Ok, j'ai plus assez de coins. Ah bah c'est bon, je suis déjà équipé. Parfait. Parfait, voilà mon petit ourson avec son petit chapeau. Ok. Bon allez, on part directement en game les amis. C'est parti, let's go. Et vous allez voir la mécanique de ce Battle Royale. Pour moi, elle est très originale, très astucieuse. Par contre, très 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 compliquée. Alright. Donc ça y est, c'est parti. 3, 2... Et c'est parti. Alors là vous déposez une bombe, la bombe elle fait horizontale, verticale, voilà. Donc là j'ai explosé des caisses, en explosant des caisses vous pouvez récupérer des objets qui vont vous aider à gagner. Ce qu'il faut ramasser également principalement c'est les étoiles. Oulala, qu'est-ce qu'il me fait lui? Les étoiles vont vous rendre plus fort. Alors attendez, hop. Hop, ça dégage. Hop hop hop. Ah j'ai pas d'étoiles. C'est bon, tombez dans l'eau. Vous pouvez bien évidemment taper sur vos bombes pour qu'elles aillent vers l'ennemi. Regardez bien. Admettons qu'il est là. Hop, ça dégage. Je vais essayer de l'ouvrir ces caisses là. Non, ça va être mort. Ça va être mort. La zone qui est rétrécie, bien sûr. Donc c'est à dire que là vous n'avez pas une zone qui rétrécit avec laquelle vous avez un poison, c'est vous mourrez directement. Allez, le petit boost pendant 10 secondes. Normalement c'est 12. Ok, donc lui il est mort. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon, là je suis safe. Prendre le petit speed encore une fois. On va poser des bombes un peu partout. Je sais pas ce que je suis en train de faire, mais je suis en train de le faire en tout cas. J'ai eu chaud. Hein. La track à moi, j'ai eu chaud. Non, j'étais bloqué par la bombe. Top 7. Bon allez, attendez, on va finir de regarder cette game. Comme ça, je vais finir de vous expliquer comment ça se passe. Alors voilà, faut pas être dans l'explosion de la bombe. Il y a différentes bombes. Il y a la bombe, pour l'instant, il y a la bombe classique. Et une bombe qui fait une dégâts de zone. Comme vous pouvez le voir également, il y a des bombes qui sont plus grosses que d'autres. C'est-à-dire que ces personnes-là... Et eh ben ils ont ramassé plus d'étoiles que moi, donc ils sont forcément plus forts que moi, c'est-à-dire que leurs bombes vont plus loin. Autre chose aussi pour pouvoir éliminer un ennemi, vous pouvez lui donner un coup de batte de baseball. C'est-à-dire que faut rester appuyé sur la batte de baseball et lâcher au moment. Regardez, comme lui là. Vous voyez celui-là qui est en bas à droite? Lui actuellement il est prêt à taper. Et bah s'il le tape, lui là, le gros, piouf, il va voler. Ok. Donc voilà, j'ai pas encore remarqué d'autres choses spécifiques à part les deux différentes bombes, le coup de batte de baseball, les caisses qui vous donnent des items qui vont vous permettre de gagner. C'est-à-dire soit pour être plus rapide, soit un bouclier, soit des étoiles. Mais bon, ça va pas se terminer ce bombe. Généralement, il y a des combats, des fois, comme ça, ça se finit généralement sur une erreur, c'est-à-dire que le mec il se prend lui-même sa propre bombe. Là, vu que la zone ne rétrécit pas non plus, ça va pas les resserrer. Oh, il a réussi à passer à travers. Il a réussi à passer à travers. Là où il y a une item pour être plus rapide. Ok, il l'a ramassé.
Ah, il est en train de le coincer. Non, il a pas réussi à le coincer, malheureusement. Encore stun. Bien sûr, si vous donnez un coup de batte de baseball à votre ennemi, vous le stunnez. C'est-à-dire que voilà, il va être un peu ouh pendant quelques secondes. Je crois que ça doit être 3 secondes ou 2 secondes, une connerie dans le genre. Bon, ça se finit quand ce combat là? Ah bah voilà. Ah non, c'est bon. Oh putain, il a réussi à s'en sortir. Non, faudra peut-être qu'il rétrécisse la zone. Hein. Ah bah voilà. Voilà. Voilà, moi j'ai fait top 7. Je passe rang 11. J'ai fait 0 kill. Je suis resté 95 secondes. Allez. J'ai oublié de vous dire qu'en haut à droite, il y a les diamants, les pièces d'or, les différents paramètres, c'est-à-dire votre qualité, low, medium, itch. Moi, voilà, moi, je mets ça toujours en itch. Vous pouvez choisir votre région. Moi, je peux mettre Europe. Voilà, c'est pas le truc. Only review party MVT for friends. Only review whispers. Ouais, je parle pas anglais, hein. J'ai voulu faire semblant, mais j'y arrive pas. À droite, il y a le chat, c'est-à-dire que quand vous êtes avec des potes, et ben, vous pouvez être dans un chat. C'est-à-dire que vous pouvez échanger. Merci d'arrêter de m'inviter. Merci à vous. Et il y a l'onglet news, c'est-à-dire que ça vous indiquera les news de ce jeu, sûrement les news vidéo des créateurs. Et bien sûr, c'est pas encore actif. Ça sera comme le pass de combat, ça sera très, 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 très prochainement. Ne vous en faites pas, donc allez télécharger le jeu. Ça me fera extrêmement plaisir. Et pour ceux bah, du coup, qui téléchargent le jeu, n'hésitez pas à m'ajouter en écrivant P majuscule, Citrag, Y majuscule, TB. Ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, on part pour cette deuxième game. Et cette fois-ci, on fait le fameux top 1. Ouais, je vais le faire. Ouais, je vais le faire, le top 1. Et je vais le faire. Alright. Allez, déjà, je vais pouvoir avoir au moins 3 caisses. 1, 2 et 3. J'ai eu un peu chaud sur ce coup-là. Je te cache pas que là, c'était un peu chaud. Il est mort. Voilà, c'était sûr. Bon, par contre, là, du coup, je vais pouvoir les abandonner, ces caisses. Les étoiles. Parfait. Bon, je suis pas full au niveau des étoiles. Parfait. Ok. Non! Je le savais en plus, je l'ai vu avec sa batte de baseball. Je l'ai vu! Je l'ai vu! Et pourquoi je me suis rapproché? Est-ce qu'on peut mettre un ralenti, s'il te plaît? Mais oui, c'est clair. Putain, des meds. Alors là, là, faut que je ramasse les caisses. Là. Celle-là, ce sera la dernière game. Je l'ai dit direct, ce sera la dernière game. Bonsoir. Enfin voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire et à me faire savoir si ce jeu ou cette vidéo vous a plu. À vous abonner bien sûr si vous voulez plus de vidéos sur Boomerground et si vous voulez bien sûr plus de vidéos sur ma chaîne YouTube. Hein, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Je sais toujours pas pourquoi je dis ça, c'était Petit Trail, allez wouh 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 wouh, bye bye.